Je vous demande, oui. Tu colles là. Donc, comme je l'ai expliqué à l'ancienne, quand je vous ai envoyé un petit mot. Ouais. Il nous a parlé de pochade. C'est pas tout à fait l'ancienne. Tu n'as pas parlé de pochade ? Oui, pochade. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent, sauf à ceux que j'ai dit déjà, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'une pochade ? Bah, je vais voir. C'est pas une pochade. Bravo. Et alors ? Ils ont dit que c'est une peinture ou dessin fait d'un jet sans trop de préparation. Et voilà. C'est une esquisse. J'ai appris le mot. D'accord. C'est une esquisse. Donc, vous pouvez faire des pochades à l'huile. Oui. On fait des pochades. Au pastel, c'est un peu plus compliqué parce que le pastel, c'est un peu un truc un peu plus compliqué. Je dirais qu'on fait des pochades à l'huile et des pochades à l'acrylique aussi. Ou des pochades à l'aquarelle. Donc, en fait, des pochades, c'est quoi ? C'est une esquisse. Alors, vous avez. C'est en fait un sujet. C'est, on en revient un petit peu. À la base du mercredi après-midi, à savoir la. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur le programme de l'Union artistique, le mardi après-midi, c'était donc mise en page d'une peinture avec mise en couleur. Moi, j'ai pris une scolle. Ça ne donne pas de couleur. Je vous ai expliqué. Vous misez du catch, là, c'est un papier, ça c'est un scotch catch pour la peinture, hein, complètement. Hein. Pourquoi on fait ça? Ça m'a paru bizarre d'une vie de religieuse. Ah bah oui, hein, ça c'est, hein, c'était là quelque chose. À Castor, hein, la boîte de. Il vous fait du bricolo là maintenant. Ah, elle n'a plus l'habitude. T'as pas fini d'en apprendre, hein. Ah oui, on fait ça. Mais vous allez voir à quoi ça sert. Oui, après tu vas l'enlever et ça va faire une marge. Hein? Sans abîmer le papier, ça ne va pas se passer. Ça n'a pas d'importance. Tu vas voir pourquoi. Il fait ça. Et vous allez voir que ça, après, quand vous allez dire « Ah, mais c'est sympa, ça !»« Oh, bah, je vais en faire plein !» Donc après, vous allez plus venir à l'aquarelle. Ça fera un peu plus de place, au moins. Tout simplement. Pour l'année prochaine, on l'annonce. Eh ben dis donc, c'est bon, en 2012, ça marche, ça fasse fort. Oui. Hein? Non, mais j'étais dans une. Le centre de roue, mais c'est pas mettant. Il y avait une. Ah, c'est vrai, c'est ça. Plus que pas fait. Tu les gardes en souvenir? Oui. Et l'autre, là, c'est pas tellement premier. Ah oui, c'est de l'eau. Oui, ça fait 3 minutes. J'ai 3 couleurs. Oui, mais tu fais 105 minutes. Ah oui, enfin tu fais ça en 5 minutes. Non, mais vous allez faire ça en 5 minutes, je vous promets. Non, moi je voyais ça. Je vous promets que vous allez faire ça. Alors regardez, hop là. On va faire un concours après de vitesse. Ah ouais. Faut que ça se fasse vachement rapidement. C'est plus que je te tienne, je vais tomber. Non, ça va. Je suis sur un pied, ou alors je te tombe dans les bras. Je fais exprès. J'espère que j'ai pris le bon côté de la feuille parce que. Ah, il y a un côté. Oui, il y a un côté qui s'est. Moi, je ne comprends rien dans les faces. Il y en a qui te disent que ça n'a pas d'importance. Et souvent, on dit là, c'est là où c'est plus maintenu. Et les enfants, oui, finalement. Moi, maintenant, en tout cas, je regarde où c'est écrit. Alors là, je garde tout. Là, c'est pour ne pas vous. C'est le deuxième. Vous égarez. Je reprends toujours des petites couleurs que vous connaissez bien. Du marron fatigué. Non, c'est pas du marron. Qu'est-ce que c'est que ce marron? Qu'est-ce qu'il y a du marron? Du marron. Elle parle tout le temps. Tout à l'heure, elle m'a dit taisez-vous. Marron. On écoute. J'ai dit, mais merde, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais. Un jour, ça va sortir. Je t'en Est-ce que tu t'es servi de ton échat? Non, mais je suis bien contente. J'étais claire, ça m'a vachement plu. C'est rigolo, hein, hein. Puis la prochaine fois que tu as refait une, je retourne. Ah, super, ouais. Un petit peu de jaune. Plusieurs qui ont dit ça. Elle était crevée, par contre. Je l'ai dit, je pensais pas que ça aussi, non. Je dis, ben, la prochaine fois, on t'en mettra pas, on a tout compris. C'est la prochaine fois qu'il faut qu'elle limite le nombre. Parce que ça enregistre le son.
Oh, on t'aime, Étienne. Oui, bah, ça va être dans la télévision, ça. Ça va être content. Ouais. On va lui faire deux, trois petites brindilles. Hop là. Et on va prendre le petit plat qui est là. Le petit plat. C'est de l'huile ici, là. J'ai les vieux, on entend un tic-tac. Non, c'est un silence. On n'a pas chronométré. Et puis avec tout ce que je vous ai appris. Tu mets un petit bout de sopalin, puis c'est bon. Non. Voilà. Voilà, voilà. Bon, quand ça va être bien sec, petit coup d'oiseau, un petit peu. Là, je suis sur le plastique. Sur le plastique. Mmh. C'est une mise en page. Non, tu signes toi. Hein, c'est une mise en page. Alors, si vous voulez vous faire plaisir après, quand ça va être sec, tu veux faire deux, trois petits bouts d'oiseaux. Là, on va faire deux, trois petites tâches. Hein. On va attendre 2 minutes. Sèche, mais on s'en fiche. Hein? C'est à la chaîne. C'est à la chaîne, exactement. Hop. Allez. Quand on commence à faire des choses, on fait les mêmes comme ça. On s'en fait pas. Hein. Tu dois toujours dans le même temps. Thank you.
pour se faire plaisir, on fait n'importe quoi. Hein. Ouais. Bien sûr. Si tu savais l'effet que ça nous fait à nous aussi. Oh, attends, là, tu le fais. Ça ressemble à n'importe quoi quand on fait n'importe quoi. Moi, quand je fais n'importe quoi, ça ressemble. Il est spécial, ce pinceau, il est long. Oui, il faut que je m'en achète un parce qu'il est pas dans. J'ai pas le matériel. Oui, c'est un traîneur. Je ne connaissais pas. Il a poussé. Là. Tu vas chez Planeta. Je fais pas de pub pour Planeta, mais il y a que chez lui qu'on en trouve. Hein. Bah oui. Oh, c'est Artis, ils l'ont vendu un. Et bien, comme spécificité, justement, comme ça, je veux faire des machins. Je l'ai acheté chez Anne. Pardon ? La spécificité, c'est d'être libre. Ah bon ? Tu fais des traits comme ton nom. Comme son nom l'indique. Très beau, très beau. Très beau, très beau. Oui, c'est vrai. Ah, il est bien. Oui, c'est vrai. Il est bien. Que tu fais. Les sapins, là, C'est plus souple en fait. Oui, moi le mien il est plus. Il est plus rigide. Hein. Ouais, comme ça, c'est celui que j'ai à côté que j'utilise pas pour ça. Pour ça, c'est pas aussi. Tu l'utilises pourquoi le plus rigide? Pour faire des retraits. Ouais. Et là, c'est plus. Ouais. La technique. Des surprises en plus. Bien pour ça que ça va être comme ça. Hop, il est branché. Et les deux autres, ils sont dans l'autre sens. Comme je veux. Oui, moi aussi. Oui, c'est deux silhouettes. Quand tu as un bouquin, 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 tu as un bouquin. Un petit oiseau. Un petit oiseau. Deux, trois petits oiseaux. Deux petits, trois petits oiseaux. Des jaunes, des petits jaunes. Trois petits, trois petits oiseaux. Des petits oiseaux. Ah oui, il faut faire en proportion. Un échassier. Tu veux en rajouter un petit peu parce que tu te dis, oh, tiens, là, c'est deux, trois petits roseaux, des trois petits jaunes. Oui. Si je faisais ça. Ah, ça manque. Mon premier plan, deux, trois petits jaunes. Ah oui, plus foncé. Oui, et surtout la main qui est colorée. Voilà. Hop. Tu veux faire un bateau. Il n'y a pas de feuille, il n'y a pas une feuille. Attends, je m'en vais. Une barque. Barque de pêcheur. C'est ça, juste là-bas. Il enlève. Il là, il faut faire la voile. Mais la salive de bazar. Parce que l'eau est attention à la DN. Là. Regarde. Ah, j'ai pas tout. Oh là là, il manque toute le. Voilà. Mais le coup, c'est bon. C'est de cracher dessus, vous parlez. Si vous voulez, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Mais le départ, c'est déjà de faire une approche. D'accord ? Là, tu veux mettre un peu de truc, hop. Ça habite tout de suite. Hein? Ah, ouais. Ah ouais. Alors, c'est magnifique. Alors, quand vous avez fini, c'est tout bête, hein? Vous signez. Non. Ah. On va prendre la règle. On va prendre la règle. Couper entre les deux. On voit rien ici. Avec cette lumière-là, je suis embêté, mais on va se débrouiller. Oui, t'as l'ombre, c'est bon. T'as l'ombre de la règle. Faut que ça gaffe assez loin. C'est bon. Alors, hop. Et ça c'est un large. Des petits cadres. Et toi, c'est un gros poche. Vous ne dites pas à tout le monde ça, hein? Non. C'est un premier secret pour vous. Vous le gardez pour vous, hein? Oui, même. Non. Promis. Et après, ils vont dire que. Et après, on parlera que sous la tortue. Et après, quand on. Bon, comme ça, on sait qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur et comment on va
rosée. Alors, quand c'est en grande surface, il va falloir absolument en deux. Moi, je n'ai pas prêt, si tu veux.